Chez nous, les hommes, quand on est excité, ouais, on est bondé. Ouais. Et chez les femmes, comment ça se passe? Oh my god. Bah, il y a certains muscles qui se contractent ou certains organes comme bah, les muscles des seins ou de plus bas, quoi. T'as quoi? T'as la foufou mouillée. Oh, alléluia. Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a deux jours, j'étais chez moi, j'étais en train de réfléchir sur un mystère, en fait. Chez nous, les hommes, quand nous sommes excités, nous avons la barre. Ou on peut dire aussi, nous sommes bondés. Alors, chez la femme, il n'y a pas comme signe. Je me suis posé cette question et je n'arrivais pas à trouver la réponse. Je me suis dit, bon, j'y vais dans la rue aujourd'hui pour leur demander. Elles nous ont répondu, restez bien jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y a aussi des gars qui ignoraient cela. Laisse un pouce bleu, laisse un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Alors, c'est parti, let's go! Alors, salut. Salut. T'es heureuse là, hein? Non, pas du tout. Ah bon, pourquoi? Pas trop. T'es pas à l'aise? Non, je suis pas à l'aise. Non, sois à l'aise, hein? Pas trop. Je t'ai mis bien. Non. Regarde juste ma tête. Ça va? Ah, là, je t'ai mis bien. Ça te fait penser à quoi, ma tête? Tu me fais rire, wesh. Ça te fait penser à quel objet? Comment ça, quel objet? À quel animal, alors? Je sais pas, j'aurais dit un éléphant, je sais pas. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Ok, je ressemble à un éléphant, au calme. Mais au calme, c'est mignon les éléphants. Bon, ok, je voulais te mettre à l'aise pour qu'on rigole. Écoute ça. Ouais. Nous les hommes, ouais, quand on est excité, ouais, on est bandé. Ouais. Alors, chez les femmes, ouais, y a quoi comme signe? Ah, ça c'est une question, vas-y. Ah. Très capital. Ouais, franchement. Ah ouais, toi t'es sans scrupule en fait. Hein. Je sais pas comment je vais répondre à ça. Hein. Aide-nous, on veut savoir le mystère des femmes. Souvent, t'as des meufs, elles pointent un peu, hein, je te cache pas. Ben ouais, logique. T'as en bas aussi, ça mouille beaucoup en bas. Ah, ça mouille. Ouais. Chez toi, c'est... Soit en haut, soit en bas. Hein. Ça dépend en fait, ça dépend du mood. Tantôt c'est en bas, tantôt c'est en haut. Ça D'accord. Dépend. En tout cas, c'était ma question, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Tu m'as même pas posé la question et moi. T'inquiète, je préfère pas savoir. Je pense moi, que ça abonde pas en fait. Ah ouais? C'est mon oreille là qui bouge, juste comme ça. Juste tout seul, ouais. Mais non. Mais je te jure. Ah, t'es trop fort. Merci beaucoup. Alors, salut. Salut, ça va? Sophie toi? Only, là. Sophie Only One. Only One. Ah. Je pense trois Only Fan, tu vois. Ah, ouais. T'as capté, ouais. Voilà. Alors, dis-moi, Sophie, quand un homme est excité, il est bandé. Et hein? Tu sais. Quand un homme est excité, il est bandé. On est d'accord? Bah oui, ouais, bien sûr. Ça arrive, on est bandé, même si on n'est pas avec une femme, ou tu vois, ça peut arriver le matin, bon matin, en tant qu'un homme, tu vois. Voilà. Alors, chez vous, les femmes, comment ça se passe? Bah nous, c'est pas pareil, nous. Quand on est excité, on respire plus fort, nous. Ah bon? La respiration, ça se sent, même les hommes aussi, un petit peu. Hein. D'accord. Bon, c'est pas le cas avec moi. Donc, on devient plus tactile, les filles. Tactile. Il y en a qui mouillent, il y en a qui mouillent pas. En vrai, ça dépend des filles, hein. Sans tabou. D'accord. Et toi, perso? Moi? Il y a quoi comme ça? Moi, la respiration plutôt. La respiration. Mmh. Tu respires vite ou... Plus fort. Plus fort. Ah, d'accord. Comment? Comme si tu faisais du sport. Ah, on comprend. Voilà. Alors écoute ça. Quand un homme est excité, ouais, il est bandé. Il a la barre. Uh-huh. Ok, ouais. Quand un homme est excité, il a la barre. Mmh. Et chez la femme, il y a quoi comme signe? Ben, elle mouille, ses seins sont en pointe, et puis ça, des fois ça se voit dans les yeux. Ah, ah bon? Ouais. Voilà. C'est le cas avec toi ou... Non. Avec toi c'est quoi alors? Moi? J'ai pas besoin de répondre à ça. Je répondrai pas à ça. Tu peux pas nous dire? Non. Ah, top secret. Voilà. Un homme est excité, mm-hmm, il est bandé. Ouais. Et chez la femme comment ça se passe? Bah c'est mouillé. C'est mouillé, mm-hmm. Qu'est-ce qui est mouillé? En bas. En bas où les pieds? En bas entre les jambes. Entre les jambes. Ouais. Mmh. D'accord. Donc perso, chez vous, ça se passe comme ça aussi? Bah oui. Parce qu'il y a une fille, elle nous a dit, c'est aussi les tétons, genre c'est... Ça pointe, un truc comme ça. Ça dépend des meufs. Ouais. Donc pour toi, c'est plutôt en bas. Ouais. D'accord. C'est ça qu'on voulait savoir en fait. Parce que moi, je suis un garçon, je me suis posé cette question la nuit, je trouvais pas la réponse. Il fallait faire un micro-trottoir pour ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. Bah de rien. Un homme est excité. Il est bondé, il a la barre. Ouais. Et chez la femme, comment ça se passe? Joker. Mais pourquoi? Non. La mouille.
la mouille, ok. Ouais. Je crois que c'est tout. Hein. C'est tout, hein. Bah ouais, pour moi. Bah... En vrai, ça fait des chatouilles. Des chatouilles. Ouais. Des guilis. Ouais. Ou à l'intérieur, genre. À l'intérieur du corps. Ouais, peu importe où. Je... Ah bon. Ouais. Ah bon, genre si un jour il y a une meuf qui dit ah tu me chatouilles, pense-y. C'est que ça rentre quoi. Ça donne bien. Ouais. D'accord. Alors il y a des filles qui nous ont parlé de deux choses. Ça arrive souvent. Soit c'est vers le haut, cette partie-là. Bah il y a certains muscles qui se contractent ou certains organes comme les muscles des seins ou de plus bas quoi. Je vois. Ça se contracte tout seul, automatiquement, parce qu'il y a l'excitation qui monte. Bah comme un chibre. C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose en même temps. Alors premièrement, dis-moi, t'as quel âge? 33. 33 ans? Oui. Mais non. Sérieusement? Oui. En quelle année? 89. Ah ouais, 89. 39 ans. Ouais. 30. Attends. 33 ou 39? Ah putain! Oh, 33. 33, ouais. Voilà. Alors c'est parti, décale, tu regardes la caméra, s'il te plaît. Alors dis-moi, chez nous les hommes, quand on est excité, ouais, on est bandé. Ouais. Et chez les femmes, comment ça se passe? Bah c'est mouillé. Chez toi personnellement. Tu veux quoi? Bah c'est une question qu'on pose. Bah quand t'es excité, t'es excité. Oui mais il y a quoi comme signe en fait? T'as quoi? T'as la foufoune mouillée. Oh alléluia. Mais non. Là, caméraman, viens avec moi s'il te plaît. La foufoune c'est quoi? Moi j'ai compris hein. Quand un homme est excité, il est bandé. Il a la barre quoi. Oui. Voilà. Alors chez la femme, comment ça se passe? Bah Cyprine, clitoris qui gonfle. Les tétons aussi, enfin des trucs comme ça, mais ça dépend des femmes. D'accord. Et toi personnellement, c'est quoi? Moi, bah comme les femmes en général, la cyprine et tout. La cyprine, c'est quand une femme, elle mouille. Le clitoris aussi. Ça gonfle. Mais comme toutes les femmes, enfin le clitoris, c'est l'équivalent d'un pénis. Ça fonctionne pareil. Donc, D'accord. On peut dire ça bande, quoi. Mmh. Ou ça pointe. Ça bande. Ça bande. C'est le terme. Bah, je crois que c'est comme un pénis, un afflux de sang. C'est la même. Chez l'homme, on est bandé quand nous sommes excités. Alors, ouais. Chez la femme, c'est quoi? Agro et mouille. T'es d'accord? Je pense, hein, s'il le dit, c'est lui l'expert ici. C'est lui. Oh! Toi, t'es pas expérimenté? Non, moi, je suis pas expérimenté. Oh, tu confirmes? Genre, t'es boxé, chef. Moi, je suis pas expérimenté. Dis qu'il arrête de mentir. Arrête de mentir, s'il te plaît. Moi, je connais pas tout ça. Lui, il sait très bien. Lui-même, hier soir, ouais, j'ai fait une expérience. Ah! Ah d'accord, donc elle mouille. Soit elle pointe des seins. Soit les deux en même temps, je crois. Ah les deux en même temps. Waouh. L'expérience mon gars. Ah je confirme ce que tu viens de dire là. Ouais. Alors salut. Salut. Comment tu t'appelles? Racina et toi? Racina, moi c'est des games. Enchantée. Ivoirienne? Oui. Racina. Ok. Alors dis-moi. Mm-hmm. Quand un homme est excité. Hein? Quand un homme est excité. Il a la barre. Mm-hmm. Et quand c'est une femme, y a quoi? Je sais pas. J'ai jamais été excitée. Non, arrête. 1 minute later. Elle a dit elle a jamais été excitée. Vous êtes d'accord? Arrête de mentir. C'est un modèle. Viens ici, à la barre. À la barre, s'il te plaît. Allez. J'ai jamais été excitée. Oui, bon. Alors, on va faire ceci. Regarde devant la caméra. Et jure devant Dieu Tout-Puissant, t'as jamais été excité. Je te jure. Devant Dieu Tout-Puissant. Sur la tombe de mon papa. Et on l'arrête là, carrément. Laissez papa reposer en paix. Coupez. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tiffaine. Tiffaine, moi c'est des games. Enchanté. Tiffaine. Enchanté. T'as un ex ou pas? Un ex? Ouais. Moi j'en ai plus qu'un, ouais. D'accord. Est-ce que t'as quelque chose que t'aimerais bien remercier à ton ex? Un remerciement à un ex, ben je te remercie d'avoir fait de moi une femme forte maintenant. Wow. Voilà. D'avoir appris ce que c'était le pardon et grâce à toi je sais pardonner et je sais j'ai appris la résilience. Wow. Voilà. C'est fort. C'est fort. Ouais, c'est fort, ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Et à part ça? À part ça, et toi, t'as quoi à dire à ton ex? C'est moi qui pose des questions. je sais pas. Tu me demandes. Bon moi je dirais je vois pas. Il n'y a pas de remerciement. Pas de remerciements à faire. Elle est partie, j'avais encore besoin d'elle. Ouais, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à en tirer, tu vois. Je pense que tu sors toujours plus grandi d'une relation, donc forcément, il y a un petit remerciement à faire. Même si t'as un trou du cul, il y a des remerciements à faire, tu vois. Il y a toujours des remerciements. Il y a toujours, parce que même si c'est des bâtards, tu grandis. Même si ça te brise le cœur, ça te forge, donc
Super. Voilà. En tout cas, je te remercie. Bah, avec plaisir. Merci. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their ass on new chains. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't buy me no.